Je vais vous inviter à fermer les yeux. Et déjà à prendre conscience de la présence de votre corps. Prendre conscience de toutes les limites de votre corps. Quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire. D'arriver à se dire, là c'est la limite de mon corps et après, ça ne l'est plus. Vous pouvez déjà scanner votre corps pour repérer s'il y a des tensions évidentes que vous pouvez tout de suite dénouer. Votre respiration devient un peu plus lente, un peu plus profonde à chaque mouvement. Sans changer le rythme de votre respiration, vous allez juste prendre conscience de l'air qui entre et qui sort. À l'inspiration, vous faites rentrer le nouveau. L'aération, le renouvellement. Et à l'expire, vous allez laisser s'échapper tout ce qui ne vous sert plus. La vague de détente vient envelopper votre ventre et jusqu'au plus profond de vos entrailles, vous pouvez sentir chaque organe qui se détend, qui se relâche. C'est comme si chacune de vos cellules venait être informée de la sécurité, de la détente, au fur et à mesure que le processus a lieu, vous déposez tout ce qui ne vous sert plus, tout ce dont vous n'avez plus besoin, vous faites de la place à l'intérieur de vous. De la place pour vivre pleinement cette expérience. Vous respirez profondément. Vous entrez petit à petit dans un état de non-temps et de non-espace. Et la vague de bien-être va venir entourer vos omoplates. Vos épaules. Vous sentez qu'à présent, elles redescendent dans vos bras, qu'elles passent vos coudes, vos avant-bras. Détendez votre langue, votre nez, vos oreilles, vos conduits auditifs. Vous vous trouvez dans une profonde détente. Pleinement disponible à l'expérience qui se présente. Vous allez poser l'intention d'augmenter au maximum la sensibilité de vos sens pour pouvoir entrer dans l'expérience. En totale sécurité. Êtes-vous en train d'écouter? Laissez venir les images, les sons, peut-être même les odeurs. Êtes-vous en train d'écouter ce que vous entendez? Portez attention dans votre corps à ce que ces questions provoquent. Où est-ce que cela se passe dans votre corps?
Êtes-vous en train d'entendre quand vous écoutez? Êtes-vous en train d'écouter quand vous entendez? Depuis l'espace de votre intérieur, essayez de répondre à ces questions. Vous rappelez-vous le dernier son que vous avez entendu avant cette question? Qu'entendrez-vous tout de suite après? Laissez venir les réponses de façon naturelle, sans pression. Vous pouvez donner l'ordre à votre mental de repérer ce qui se passe dans votre corps pour être uniquement focalisé sur les sensations, les réponses. Pouvez-vous à la fois entendre ce qui vous entoure et écouter un son de vos souvenirs? Qu'est-ce qui vous pousse à écouter? Vous êtes toujours concentré à l'intérieur de vous sur vos sensations, vos ressentis, votre corps. Vous entendez-vous au quotidien? Avez-vous une bonne ouïe? Si vous vouliez entendre le son de votre choix, quel serait-il? Êtes-vous en train d'écouter des sons ou vous contentez-vous de les entendre? Quel son vous évoque le plus de choses? Contentez-vous de rester dans l'instant présent. Peut-être qu'il y aura des questions qui vous auront plus interpellé que d'autres. Restez juste dans la présence. Reprenez conscience de votre corps, des limites de votre corps. Qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de votre corps?
et où est-ce que cela se place dans votre corps? Vous pouvez scanner à nouveau votre corps. En capter la densité. Vous allez pouvoir prendre plusieurs bonnes respirations. Et vous préparer à revenir dans l'ici et maintenant. Vous pouvez bouger vos pieds, vos mains. Restez encore quelques instants les yeux fermés pour intégrer en douceur cette expérience. Vous pouvez vous étirer. Et quand vous serez prêt, vous pourrez revenir à la pleine conscience de notre réalité. Que quelqu'un a envie de partager ce qu'il a vécu. Christelle, après, tu as incorporé les différentes questions pour les numéros au milieu de la séance. Je ne sais pas si vous avez repéré. On a un peu tous du mal à revenir là. Concentre un peu sur l'essentiel, enfin, comme si on revenait un peu à la base de ce qu'on entend vraiment. Et j'ai l'impression d'être au plus près de mon cœur, et que toute la mélodie intérieure, c'était que mon cœur qui battait à différents endroits. Et après, l'énergie, c'était vraiment comme si j'étais au bord de la mer, et j'entendais la mer. Pour le coup, moi, j'ai un moment sonore, quoi, je veux dire musical. Dans un processus d'écouter à l'intérieur, un corps qui se calme, qui se détend, etc. Et tu entends, paf, on rouvre. Oui. L'oreille, donc, c'est qu'est-ce qui arrive de l'intérieur, quel est le phénomène physique qui vous touche de l'extérieur. Et donc, forcément, on change de quelque chose qui se modifie, quoi. Ça devient une autre écoute. On n'est plus à l'écoute intérieure, on vient à une écoute extérieure. À un moment,